Avant toute chose, je m'appelle Gaïs Galaya, auteur de la chaîne YouTube Geek & Fit autour des sciences du sport et de la nutrition. Je suis assimilé au courant de la zététique sur internet. Et aujourd'hui, vous ne me voyez pas sur ma propre chaîne car cette vidéo n'a rien à y faire dessus. Je vais vous parler du youtubeur Psychodélique. Psychodélique est un youtubeur newser qui réalise énormément de vidéos par semaine sur des sujets divers et variés. Ça fait un long moment que je suis sa chaîne YouTube de loin, car il fait très souvent des résumés des dramas qui se retrouvent sur Twitter, ce de façon condensée. Et ça fait également un long moment que je vois beaucoup de critiques émerger sur sa personne. Il serait d'extrême droite, transphobe, grossophobe et qu'en sais-je. Quand un sujet m'intrigue, me titille, me dérange, j'ai le réflexe inverse de la majorité des gens. Je vais me renseigner dessus à fond, oui, mais en priorité dans le camp opposé à mes convictions. Je pense d'ailleurs que c'est ça le cœur de la zététique. L'investigation. Je me considère comme étant de gauche et plutôt en faveur des luttes hétérogènes de cette dernière. Pas toujours, hein, j'ai des points de désaccord avec certains militants, mais il n'empêche que j'ai pour conviction qu'un monde avec un petit peu moins de discrimination et un petit peu plus d'égalité des chances, ce serait pas un mal. Plutôt que de croire tous ceux qui crachaient à longueur de journée sur ce bonhomme, les mêmes d'ailleurs qui n'hésitent pas à me descendre en public à chaque fois que je ne suis pas 100% d'accord avec eux ou que j'ai l'audace de commettre une maladresse, j'ai décidé d'aller voir ce de quoi il en retournait. Malgré les titres éminemment putaclic, j'ai vu quelqu'un qui essayait, selon moi, de comprendre véritablement ce qu'il avait en face de lui avec ses moyens. Bon, jamais en creusant très loin, toujours en survolant les faits, hein, mais je n'y ai pas senti une malhonnêteté. Parfois, de la mauvaise foi, en particulier quand il est attaqué. Parfois même, ça allait plutôt loin. Mais on pouvait, à mes yeux, lui accorder une forme de bénéfice du doute, le rasoir d'Hanlon. En philosophie, le terme rasoir désigne un principe ou une règle générale qui permet d'éliminer, de raser, des explications improbables d'un phénomène. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia, faut le savoir. En somme, un rasoir est un principe que l'on adopte comme une forme de vérité a priori en l'absence de preuves inverses, car il faut toujours bien partir de quelque part. Celui d'Hanlon est simple, ne pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Pour moi, Psychodélique était peu et mal renseigné sur les sujets qu'il choisissait d'aborder. Une forme de bêtise, certes, mais surmontable, car il avait l'air ouvert à la contradiction et au fait qu'on lui apprenne des choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de le contacter. Plutôt que de lui cracher dessus de loin, derrière mon clavier, l'occasion était rêvée. Essayer avec le plus de pédagogie possible de remettre l'église, ici la science, au centre du village. Ce concernant les questions de transidentité dans le sport et aussi d'obésité. Ça a marché. Deux lives que je vous conseille d'aller regarder par vous-même. Psychodélique semble attentif et semble même avoir fait évoluer ses convictions sur le sujet. Bien sûr, certains auront noté qu'il continuait à faire des vidéos sur les athlètes transgenres et des vannes grossophobes, mais on ne fait pas changer totalement l'opinion de quelqu'un en une ou deux heures de discussion. Et il renvoyait systématiquement vers notre contenu commun chaque fois qu'il en avait l'occasion. Une vraie victoire également auprès de son public. Si tout le monde n'y a pas été sensible, au moins, certains y ont prêté attention. Et puis un jour, Psychodélique a commencé à traiter du sujet de la zététique. D'abord autour du fiasco, de l'affaire des body pour bébés qui aurait dû être une non-affaire, puis de Fantine que certains ont accusé de pédocriminalité pour des propos maladroits certes, mais qui ne méritaient pas du tout ce qualificatif. Mandax, l'un des auteurs de La Tronche en Biais, a réagi. Pas de la meilleure des manières, avec force véhémence. Et Psycho, à partir de ce moment, c'est déchaîné, amalgame entre Mandax et la discipline même de la zététique. Vidéo à répétition, à chercher la moindre faille, le moindre problème. Bien sûr, avec des réponses de l'autre côté, hein, ne minimisons pas les torts. Mais tout de même, Psycho est bien plus productif. J'ai tenté à de multiples reprises de le raisonner, en discussion sur Twitter, en live, de lui dire que son combat contre la zététique en elle-même n'était pas sain, que l'attitude en elle-même, encore une fois, était très discutable. Rien n'y a fait. Et c'est là qu'est le souci majeur. Psychodélique s'affiche toujours contre le harcèlement. Il se plaint d'ailleurs tout le temps d'être victime de harcèlement. Et a raison, hein. Certaines personnes ont doxé son adresse, s'en prennent à lui personnellement, l'insultent, voire même le font à travers ses enfants, ce qui est proprement dégueulasse. Mais il ne semble pas prendre conscience qu'à concentrer l'intérêt des gens en les antagonisant sur plusieurs vidéos d'affilée, bah il en crée du harcèlement. Enfin, il semble quand même en avoir un minimum conscience d'être engagé dans une forme de spirale de harcèlement autour de sa chaîne, puisqu'il ne va pas commenter les vidéos des personnes qu'il apprécie pour éviter qu'elles en reçoivent. Donc, il se rend compte que l'exposition médiatique qu'il apporte
génèrent du harcèlement d'une façon ou l'autre. Mais moi je me retiens, tu vois, d'aller poster des commentaires des fois sur leurs vidéos. Je me dis bon, parce qu'en fait ils sont tellement en dehors de la bulle des dramas, ils sont tellement en dehors de la bulle des activistes politiques, ce genre de choses, ils font leur taf à côté. Ah ouais, on gagne des problèmes, quoi. C'est ça, j'ai pas envie de leur ramener de la mauvaise vibe, du mauvais karma. Mais ça, en fait, à la rigueur, je lui pardonne. Il est très difficile de ne pas avoir envie de se défendre quand on est attaqué. Et je gage que de tous ceux qui lui reprochent aujourd'hui son attitude vindicative, bien peu auraient fait autrement à sa place. Non, ce que j'ai plus de mal à digérer, c'est ça. Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo, et je suis avec Psyodilic, hein, qui est un youtubeur extrêmement connu, qui a une chaîne qui a plus de 200 000 abonnés, je crois. Ouais. Voilà, alors Psyodilic, j'ai découvert Psyodilic suite à un conflit que j'avais à propos de la zététique et de certains zététiciens, et j'avais beaucoup d'a priori sur justement la zététique et sur sa dégénérescence, et j'ai découvert justement une autre approche et une autre façon de penser et de vivre la zététique, beaucoup moins sectaire d'ailleurs, et je crois que tu as créé la branche serbe de la zététique. Alors peux-tu nous en parler, peux-tu expliquer Exactement, c'est exactement ça, la branche serbe de la zététique. Comme vous l'avez vu, la zététique principale francophone a subi un obscurantisme, une politisation et un militantisme, et elle a oublié les racines mêmes de la zététique, et au travers de la branche serbe, on cherche à renouer avec les racines mêmes de la zététique, une zététique pure, et avec ses vraies valeurs qui étaient lors de la création. Et elle est ouverte à tout le monde, n'hésitez pas. Voilà, et elle ne sent pas des doigts. Elle ne sent pas des doigts. Voilà. Salut à tous et paix sur terre, c'était Frédéric Delavier. Chèque de la vie avec Psyodilic. Voilà, le véritable gourou mentor de la nouvelle zététique serbe, la seule, la vraie, la pure. Salut à tous et paix sur terre. Bye. Cette vidéo publiée sur la chaîne de Frédéric Delavier et tous les remous que ça a engendré. Il ne s'agit pas ici de parler de copinage. De dire « Ah, t'es allé parler à quelqu'un que j'aime pas, alors t'es méchant d'abord. » Je n'ai aucun souci à parler avec qui que ce soit. Comme vu précédemment Psycho, mais aussi plus récemment Teddy Boy RSA ou le Cercle Aristote, là où je suis allé faire une mini présentation sur la zététique. Et je le ferai avec d'autres quand j'en aurai l'occasion. Mais il y a une différence entre parler avec et soutenir. Parce que Frédéric Delavier est une personne qui, factuellement, me harcèle. Beaucoup, souvent. Parfois je me défends, ça empire. Il agit comme un caïd de cours de récréation. Et ça fonctionne. Je me reçois très régulièrement, tous les jours, à certaines périodes, des commentaires haineux sous tous mes réseaux sociaux. Il use de calomnie en disant que je l'ai harcelé pendant 3 ans. Ce qui est faux, hein, j'en ai fait une explication détaillée dans cette vidéo. Il me qualifie d'homosexuel, qui serait amoureux de lui, et donc rejeté, ce qui aurait créé mon ressentiment à son égard. Déçu, je le suis, ça sans aucun doute, mais pas besoin d'amour pour cela. Juste de voir son comportement en face d'une simple opposition d'arguments. De la part de quelqu'un que je considérais comme une source de savoir valable, ça fait bizarre. Il dit que je l'aurais traité de pédophile, à qui veut l'entendre. C'est encore une fois faux. J'ai certes répondu une fois à une accusation de pédophilie de sa part, en publiant ses photos avec son ex-compagne qu'il avait lui-même mise sur Facebook. Je le regrette d'ailleurs, c'était pas très malin. Mais faites-vous traiter de pédophile par des centaines de personnes à cause d'un bonhomme? On va voir si ça vous donne pas envie de répondre de façon un peu véhémente. Depuis, j'ai supprimé les tweets sur la demande de la jeune femme sur les photos d'ailleurs. Mieux, j'ai demandé aux tweetos qui les avaient affichés en première instance de les supprimer également. Mais ces accusations sur moi, elles, demeurent. Je passerai sur les allusions dégueulasses qu'il fait sur le revenge porn qui me concernerait. On pourrait repartir pour une heure. Mais pour la faire courte, admettons qu'il y ait un revenge porn de moi qui circule vraiment. Utiliser cela pour me harceler dans une querelle qui concerne des faits qui tournent autour de la musculation, ça vous démontre l'immondice du personnage. Comme si ça ne suffisait pas, Delavier vient désormais de me menacer, de me casser la gueule si jamais on se croisait. Plusieurs fois. Je n'ai pas particulièrement peur de lui, hein, mais le fait qu'il le mette en avant, ça c'est grave. Et Psyodilic sait tout ça, car je lui ai signalé. Il sait à minima que Delavier a fait des vidéos garnies d'insultes à mon encontre. Et il s'en fout. Car Delavier est aussi l'ennemi de Thomas Durand, de la zététique. Et ça, ça semble l'arranger. Il prétend que la zététique est en perdition, qu'il y a trop d'idéologie, qu'il faut la sauver. À ce propos, je me permets de vous lire cet échange assez lunaire, qui résume à mon avis le fait que Psycho ne comprend pas bien ce qu'est la zététique, et qu'il instrumentalise plutôt ce combat parce qu'il est en guerre avec Asserment d'Axe. Je ne sais pas si Psyodilic arrête les vidéos sur sa chaîne à ce propos suite à mon conseil,
Mais si c'est le cas, eh bien je trouve que c'est un signe de maturité et j'espère que cela amènera ce conflit vers une fin apaisée à laquelle je ne crois guère désormais. Bordel, que j'aimerais un signe de maturité de la part de Mandax pour une fois depuis des semaines. Si je peux me permettre, si tu pouvais demander à Delavier de retirer au moins la vidéo avec toi sur sa chaîne YouTube et les posts Insta, je pense que le geste serait apprécié. Si ce n'est de Mandax, au moins de ma part. Cet homme fait vraiment tout pour me nuire. Non, la vidéo est cool et rigolote, et j'ai prévu aussi de la mettre sur ma chaîne également prochainement. Je ne comprends pas pourquoi elle devrait être retirée. Vous avez un désaccord non résolu sur le dos rond et le dos droit. Cela ne me regarde pas, et par logique, le dos droit me paraît plus sécuritaire, et je dirais que c'est plutôt Delavier qui a raison là-dessus. Ce serait bien que tu fasses un mea culpa et admettre qu'il a raison un peu sur tout ça. Car 99% des gens dans la rue te diront que c'est le dos droit qui est le plus sécuritaire. Et il y a quand même une raison. Lol. Tu n'as donc toujours pas regardé la vidéo dont je t'ai parlé, et qui explique en long, large et travers pourquoi la position de Delavier dans ce débat est malheureusement pour lui désuète. C'est dommage que tu lui fasses confiance sans te renseigner toi. C'est pas Delavier, c'est mes grands-parents qui m'ont toujours dit « toujours dos droit ». Tes grands-parents versus la science. On se demande qui a le plus raison. Oui, en attendant, le travail à la ferme sur des dizaines de générations a plus survécu avec le dos droit que le dos rond. Et pas besoin de science, là-dedans. La pratique et la constatation suffit. Si tu regardais la vidéo, et que tu étais pas aussi entêté à ne pas le faire, tu saurais que c'est faux. Mais toi qui hurles à la mort que la zététique est morte, qu'on n'en fait plus, quand on en fait, elle ne t'intéresse pas, si elle ne va pas dans le sens de tes idées. Même si la science le prouve, je ne vais pas me casser le dos à soulever avec le dos rond juste pour te faire plaisir. J'ai une famille à entretenir, encore quelques années, j'ai travaillé dans le BTP aussi. Toujours dos droit, et ceinture abdominale en plus en fonction des charges. Va voir la vidéo. Tu parles d'un truc que tu ne connais pas, avec une arrogance rare. Je t'explique l'informatique ou les plateformes pétrolières, moi? Non, parce que c'est ton métier, pas le mien. D'autant que la manutention, j'en ai fait aussi, c'est pas un argument. Mais pourquoi tu voudrais que j'utilise une autre technique alors que le dos droit est sécuritaire et déjà approuvé partout et utilisé par tout le monde? Je comprends pas cet acharnement sous forme de lobby du dos rond, comme s'il y avait vraiment un truc incroyable à y gagner. Bah va voir la vidéo au lieu de te plaindre de pas comprendre, ça peut être un bon début, non? Ouais, remarque si j'ai le temps demain matin, mais ça m'intéresse pas du tout comme sujet à la base. Ben, si ça t'intéresse pas. Pourquoi tu parles dessus en chiant sur mon travail et en l'utilisant comme justification que mon harcèlement serait mérité sur la base que tes grands-parents t'ont dit un truc? C'est lunaire quand même, tu t'en rends compte? Bref, vous l'aurez compris, je sais plus trop quoi penser de psychodélique. Je suis pas là pour vous dire de pas le suivre, de lui cracher dessus ou de le houspiller. Mais au vu des éléments que j'ai accumulés, et à moins qu'il se décide subitement à changer d'avis avec cette vidéo, psychodélique ne me semble pas être quelqu'un de si honnête que ça. Ou en tout cas, pas assez intègre pour qu'il n'ait pas des valeurs morales à géométrie variable. On ne peut pas condamner le harcèlement et littéralement se liguer avec un harceleur dans sa campagne de harcèlement. Quoi qu'il puisse en dire, accepter de témoigner sur sa chaîne avec Delavier qui s'en frotte les mains, c'est le soutenir. Cela ne m'empêchera pas de discuter cordialement avec Psycho si on en vient à se croiser. Il n'y a pas d'animosité particulière. Je suis juste attristé et déçu. Et c'est en partie pour vous éviter cette déception que je fais cette vidéo. Je sais que la seule arme de Psycho, s'il décide maintenant d'être de mauvaise foi, ce sera de faire une revue de cette dernière et de couper uniquement les passages qui l'intéressent. Ou ceux qui ne l'arrangent pas, en m'attribuant évidemment des propos que je n'ai pas tenus. Par déformation volontaire ou involontaire de l'interprétation de mes paroles. J'espère qu'il ne le fera pas, mais je peux rien garantir. Je vous invite donc, si vous êtes sensible à ce message, à télécharger et réuploader cette vidéo sur vos chaînes respectives, pour d'une part que le plus de monde possible soit au courant de l'existence de cette vidéo, et de l'autre que mon véritable propos construit arrive aux oreilles d'un maximum de personnes, sans coupure ni interprétation. J'espère encore que Psycho saura faire machine arrière et se désengager de son soutien à Delavier. Je veux y croire. Si c'est pas le cas, tant pis, mais au moins j'aurais tenté d'être transparent et franc jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à la prochaine.